Carrefour de la vie, commune de Cocody, ce vendredi. Les mini-cars de transport en commun appelés Gbaka sont visibles. Même constat sur l'axe Adjamé-Abobo, sur l'autoroute du Nord menant à Yopougon et même à Adjamé. C'est donc la reprise du service pour les Gbaka après 4 jours d'inactivité pour cause de grève. Une satisfaction pour les usagers. C'est un sentiment de joie. Parce que sans les Gbaka, on se déplace difficilement. C'est eux qui nous aident à vaquer à nos occupations. Ça me permet de vite arriver à la maison. Ça me permet de vite arriver à la maison d'une part. Puis ça me facilite même le transport. Du côté des chauffeurs de minicar, la reprise des activités est opportune. La recherche de solutions aux problèmes de la corporation n'exclut pas qu'on préserve les intérêts des populations. Nous, on doit travailler. Et puis le syndicat, c'est celui qui va aller s'asseoir pour régler le problème. Parce que nous, on est en train de... On ne veut pas rester la population pour qu'elle aussi va souffrir, c'est pas bon. On ne veut plus gréver. Parce qu'on est venu trouver les syndicats, et on va partir pour les laisser. Les chauffeurs de Gbaka restent attachés au dénouement heureux des négociations. Leur souhait étant la réduction des frais annexes payés aux syndicats de transporteurs devenus trop nombreux.